Oh, wah, babaloo, babalam, bam, boom, tutti frutti, on Rudy, tutti frutti, on Rudy, tutti frutti, on Rudy, tutti frutti, on Rudy, tutti frutti, on Rudy. Wah, babaloo, babalam, bam, boom, I got a girl named Sue. She knows what she wants to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She looks to the west, she looks to the east. She's the girl that I love best. Tutti frutti on Rudy. 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 Salut à tous, c'est Eric Le Gaucher Galago. J'espère que votre déconfinement se passe bien. Le mien est assez rock'n'roll au sens propre du terme, étant donné que le grand Little Richard, oui, bel oxymore, nous a quitté très récemment. C'était impossible de pas vous faire un tuto là-dessus, un tuto que j'avais enregistré en live sur la page Facebook RTL2. Alors là, l'expérience qui est super cool quand même de faire un cours en direct devant autant de personnes. Le format est pas très confortable pour les explications, donc je voulais vous refaire un tuto bien propre avec l'incrustation des partoches, tout ça, tout ça. Donc Tutti Frutti, un morceau qui date de 1955, et oui, on est 3 ans avant la sortie de Johnny B. Goode de Chuck Berry. Ce titre fait partie vraiment des prémices du rock. On y retrouvera tous les éléments stylistiques qui seront repiqués par la suite par tout le monde. Au niveau de l'anecdote, sachez tout de même que ce titre n'aurait pas les mêmes paroles si le producteur ne s'en était pas mêlé, puisque Little Richard avait plutôt fait une sorte de chanson pagarde. Hein, en fait, je vous ai mis les paroles dans la boîte de description pour ceux que ça intéresse, hein, en anglais. Vous pourrez constater par vous-même que ça valait peut-être le coup effectivement de faire ce petit changement. En tous les cas, c'était pour le coup bien rock'n'roll. Bon voilà, c'est assez. Il a baleine, je me rapproche et je vous montre comment ça se joue. Alors dans ce morceau, nous sommes dans une tonalité de Fa, c'est pour ça que je mets le capot en première case afin de pouvoir conserver dans mon accompagnement des cordes à vide. Quand on joue en acoustique, c'est tout de suite beaucoup plus efficace. Et donc on a une structure assez standard, hein, en 12 mesures, même carrément standard. Il y aura juste un petit truc qui change par rapport à la structure habituelle, mais autrement on est vraiment sur l'autoroute. Alors on n'a que 3 positions à retenir pour arriver à faire l'accompagnement, donc ça c'est ma version. Hein. Little Richard était pianiste, donc du coup il ne le faisait pas comme ça. Mais si la cover du début de ma vidéo vous a plu, voici comment faire. Donc première disposition, position de mi, qui va sonner comme un fa, hein, étant donné qu'on a un capot en 1, mais je vais parler en termes de position. Il faudra déjà que vous vous placiez de cette façon, de manière à obtenir ce son-là. Mon index appuie sur la deuxième case de la corde de la, et en fait, il s'étale tout le long des 5 autres cordes en se mettant un petit peu de traviole, comme ça, d'accord. Il faut qu'on entende donc le gros mi est vide, deuxième case du la, et tout le reste bloqué, d'accord. À la limite, si le ré sonne, ça va, c'est pas trop grave, mais franchement, le top du top, c'est si vous pouvez faire sonner ça. De cette manière, vous pourrez complètement bourriner et faire entendre que les notes dont on a besoin, histoire de ne pas avoir à se contraindre la main en faisant que des petits mouvements pour être sûr de ne pas déborder. D'accord. Donc vous mettez vraiment l'intention d'appui au niveau de l'ongle. Le reste du doigt ne fait quasiment rien. Il est en contact avec la corde, bien entendu, mais c'est tout. Ok. Donc une fois que vous avez ce son-là, bah vous êtes bien parti. Ce qu'il faudra réussir à faire ensuite, c'est étirer l'annulaire jusqu'à la quatrième case de la corde de la. Alors l'annulaire ou le petit doigt, si jamais ça vous semble trop loin, l'annulaire c'est mieux, parce que comme ça on pourra réserver le petit doigt pour d'autres petites astuces. Donc genre, un coup comme ça, 0,2, un coup comme ça, 0,4. Et là déjà vous êtes bien parti. Ça, c'est la position de mi. Ensuite, la deuxième disposition, ce sera sur un power chord de la. Vous descendez juste l'index, kick, d'une corde vers le plancher. Par contre, que votre pouce ici de main gauche vienne bien bloquer le gros mi, parce que là ce qu'on veut entendre, c'est le La vide et la deuxième case du Ré. Là, les 3 cordes aiguës sont bloquées. De manière à obtenir ça. Et de la même façon, on va faire une extension avec l'annulaire jusqu'à la quatrième case du Ré. Alors je sais que c'est pas forcément évident ici. Il faut bien que vous placiez votre pouce non pas à gauche, parce que sinon vous allez galérer à l'étirer. Vous, au contraire, placez le pouce le plus à droite possible, genre jusqu'ici, troisième case, vous voyez. Et puis, j'appuie pas, hein, par contre, avec le pouce. Et puis comme ça, vous grattez juste le terrain nécessaire pour réussir à obtenir cette sonorité-là. Si vraiment, pareil, l'annulaire c'est trop loin, vous utilisez le petit. Mais franchement, ce sera plus confortable à terme si vous arrivez à le faire comme ça. Ça, c'était les 2 premières positions. En mi, d'accord. Et puis après, en la. La dernière position, celle-là, elle est un peu plus relou. Vous gardez, puisqu'on était là-dessus, la quatrième case du ré enfoncé, et vous allez appuyer sur la deuxième case de la corde de la, d'accord. En faisant gaffe à ce que l'index ici appuie en fait pile poil entre les 2 cordes pour que le la soit entendu et que le gros mi soit bloqué. D'accord. Et évidemment, pareil, les 3 cordes aiguës sont bloquées. Donc on appuie sur 2 cordes, on n'a que 2 sons qui sortent. Alors ça, c'est le minimum vital, on va dire.
Et après, si vous êtes chaud bouillant, si tout se passe bien, vous pourrez essayer de d'étirer le petit doigt jusqu'à la sixième case. Ouais, je sais, ça fait peur. De la corde de Ré. Pour ce faire, il faut que votre pouce soit bien au dos du manche, de cette façon, d'accord. Et que votre poignet soit super ouvert. Pour moi, ça, c'est un poignet fermé. Bon, là, c'est naze, ça ne marchera pas. Vous ouvrez à mort, comme si vous faisiez un barré. Et comme ça, à terme, vous essayez un petit peu tous les jours, vous arriverez à obtenir cette extension-là. Voilà, on a vu les trois positions. En mi, ensuite en la, ensuite en si. Voilà. Alors maintenant, habillons tout ça. Pour faire une mesure en mi, donc là, je me suis inspiré vraiment de la pompe rock'n'roll de Chuck Berry. La pompe, c'est l'accompagnement typique d'un style. Hein. Il y a la pompe manouche, la pompe blues. Bon, la pompe rock'n'roll va donner ceci. Donc, on est dans une mesure à 4 temps. Il nous faudra remplir avec 8 croches. Ok. Les 8 croches vont se disposer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je fais l'extension de l'annulaire sur la 3e et 7e croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la main droite, là je vous ai fait que découvrir le bas, à mon sens, quand on va très très vite, c'est beaucoup plus confortable de faire des allers-retours. On est sur des croches dites shuffle, 1 et 2 et 3 et 4, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On essaye comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, pour que ce soit vraiment costaud et que se dégage toute l'énergie du rock'n'roll, vous allez taper plus fort à la main droite, pile poil quand l'annulaire appuie. Donc c'est exactement sur la 3e et 7e croche. Donc genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas mal, non ? Ça, c'est la formule à retenir parce qu'on va le retrouver. On va la retrouver dans des milliers de morceaux, vraiment. Si vous voulez être un petit peu plus, un petit peu moins massif, vous pouvez justement sur cette 3e et 7e croche, donc c'est ce qu'on appelle l'afterbeat, hein, pour avoir le terme consacré, donc l'après-temps, vous pouvez, enfin moi j'aime bien faire ça, essayer de placer la paume en même temps que l'attaque accentuée, genre... J'aime beaucoup, ça donne vraiment l'impression qu'on a une percussion en plus du son de la guitare. Donc ce qui se passe... Donc si je m'arrête dessus, c'est moins efficace, mais vraiment, je pose la paume. Ça ressemble à un schlack, en fait, c'est comme un schlack, mais c'est une attaque qui est plus amortie, en fait, de manière à ce que l'accent soit pas trop tonitruant. Et donc je place ma paume ici, hein, au niveau du chevalet, comme du palm muting, mais très très temporaire, du coup, juste le temps de l'attaque. Avec ça, on a quasiment tout. Hein. Donc, une fois que vous savez faire une mesure en mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous faites pareil en la. Je décale tout, je mets mon pouce par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai fait deux mesures en la. Et du coup, pareil en si. Alors, si vous arrivez à choper l'extension, eh ben, vous faites pareil. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Si l'extension vous paraît un petit peu compliquée pour l'instant, vous restez que comme ça. Par contre, vous placez bien les accents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça marchera tout aussi bien. On aura quand même envie à terme d'obtenir cette petite sonorité là. Mais ça pourra dépanner pour l'instant. Peut-être de conserver uniquement ce positionnement. Du moment que vous avez bien votre percussion. Je vous fais une mesure de chacun de ces trois accords. Et puis après, il n'y aura plus qu'à les mettre sur la grille avec les 12 mesures. Voilà. 3, 4 en mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en si. Voilà. Ok. Donc maintenant, je me rééloigne et je vous intègre la grille. Et il n'y a plus qu'à suivre le plan de route. Voici la grille. Ah, vous voyez, donc les lettres correspondent aux notes. Hein, le E, c'est le Mi. Quand vous voyez les pourcentages, hein, ça veut dire que c'est la même chose que la mesure d'avant. C'est juste que visuellement, c'est moins chargé. Comme ça, quand on voit E suivi de 3 mesures pourcentage, on sait que c'est 4 mesures de Mi. Voilà. Donc, je vous le joue. Et puis, en même temps, je vous fais défiler le lettrage en rouge pour savoir où on se trouve. 1, 2, 3. Tutti frutti, on rudy. Tutti frutti, on rudy. On passe en là. Tutti frutti. Oh, Rudy.
À cet endroit-là, la fin de la grille, il y a un break qui se trouve être sur le mi. Le break, ce qu'on appelle aussi un stop time, un stop chorus, vous allez taper, alors moi j'aime bien taper le mi majeur complet, vous grattez l'accord du premier temps et vous bloquez bien tout de suite les cordes avec la main droite pour que tous les sons s'arrêtent. Et là, c'est comme si en fait on comptait 2 fois 8 croches, mais qu'on ne joue plus dessus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça redémarrerait au début. Je vous refais une petite fois cette grille. Enfin, plus exactement, les croches. Hein, comme ça, on est sûr que le compte est bon. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième mesure. 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième mesure. 6, 7, 8. Le la. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure de la. Je reviens en mi. 3, 4, 5, 6, 7. Je reste en mi. Voilà le si. Voilà, vous savez faire 80% du morceau. Je vous montre un petit plan de beau bel gosse. Il se trouve que vous pouvez faire ça sur la quatrième mesure spécifiquement de la grille, donc la quatrième mesure de mi, plutôt que de conserver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un petit truc qui se fait souvent, très très souvent, que ce soit d'ailleurs en main gauche de Boogie, ou c'est la basse qui le fait. On peut faire un truc comme ça. Donc je reprends la troisième mesure, comme ça on a la transition entre les deux trucs. 3, 4, 1. Ah, ça c'est trop cool ça. Ah, j'aime bien le replacer moi à toutes les sauces ce truc là. Alors comment je fais? Je suis en mi. Je me rapproche un tout petit chouille. Je suis en train de faire ça. Avec toujours mes petits mutages de main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'était la troisième mesure. À la quatrième mesure, je fais juste 2 coups en mi, bas, haut. Ensuite, je vais me placer en power chord de fa dièse. Donc je fais entendre 2 du gros mi, 4 du la. Donc je reprends cette quatrième mesure, 2 croches en mi, 2 croches en position de fa dièse. Après je grimpe ça un demi-ton à droite, position de sol, puis position de sol dièse. Et avec ça j'ai bien rempli les 8 croches de ma mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et après il faut bien retomber sur son 1 là-bas. Pendant cette montée, vous pouvez pareillement placer sur la 3e et 7e croche un petit coup de percussion. Donc je vous refais tout depuis le début, et puis je m'arrête pile poil sur ce qui manque, sur dire pas grand chose. C'est un petit break encore en plein milieu du morceau qui est plutôt cool. 1, 2, 3, tutti frutti, on the rudy, 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 la fin, tutti frutti, on the rudy. Babalou, babalam, bam, boum, on continue pareil. I got a girl, on prend des buts, ram, sou. She knows just what to do, on pourrait faire ça. I got a girl named Sue. She knows just what to do, et c'est là que ça change. She looks to the west, she looks to the east, c'est l'inverse. She's the girl that I love best, tutti frutti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'avoir nos 12 mesures habituelles comme ça, on va virer cette dernière ligne, on va la remplacer par 4 coups de mi. Mais 4 coups de mi qui vont chacun être breakés, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, sur lesquels on va faire ça. She looks to the east, she looks to the west, she's the girl that I love best. Et là, on reprendra du début. Donc, genre, vous allez juste gratter sur les 2 premières mesures le premier temps. C'est comme si vous comptiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la 3e mesure, on va gratter le 1 et la 5e croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la dernière mesure, on va gratter sur 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous refais cette séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Et après, on repart au tout début. Je vous refais juste une fois cette grille-là, là, spécifiquement. Et après, c'est bon, vous savez tout faire. 2, 3, I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. Les breaks. She looks to the east, she looks to the west. She's the girl that I love best. Tutti frutti on the rudy. 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 Blue, bam, blam, bam, boom. Woohoo!
Et avec ça, c'est bon, vous avez tout joué de A à Z. Et bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à vos amis, hein, diffuser la vidéo, à laisser un petit pouce bleu, puis surtout des commentaires. Parce que comme ça, ça fait un petit peu de lecture, on peut échanger, c'est le petit salon si vous voulez. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaleureusement à découvrir le nouveau site Galago Music version 2020. Là, franchement, on a fait un truc bien en scindant justement l'aspect tuto guitare des tutos piano, comme ça, ça évite de tout avoir sur une même page. Enfin bref, en tous les cas, avec Simon Derain, qui est le webmaster, de talent, a énormément bossé là-dessus. Donc si ça vous plaît, pareil, vous pouvez le partager à vos copains, vous pouvez éventuellement même faire un don si vous le souhaitez, ça permettra de soutenir un petit peu le travail, et puis sinon découvrir les packs payants, téléchargeables, voilà, c'est des packs pédagogiques, généralement ça dure une heure, voilà, n'hésitez pas à consulter sur le site ou cliquer là-haut, ça devrait s'apparaître, je pense. En tous les cas, merci à tous, prenez soin de vous, puis je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt, ciao.